photo shooting is the 11th. Les photos de skate et de rock des années. Tu as des groupes. Ouais, j'ai rien, mortel. Parce que l'idée, c'est vraiment c'est de taper dans le style vraiment 80. Et en fait dans ce bouquin, t'as vu, tu vois que la scène hardcore là, c'est tout pécho, t'as les tenues de micro, le mec qui tient le micro par le bas, avec la boule, la ouverte, tout est là déjà. Il y a des noms de groupes hardcore, j'ai jamais entendu parler. Voilà, c'est un truc. Du Germs, une guitariste. Ah ouais. Bah, ah mais grave. Le deuxième guitariste de Nirvana à la fin. Oh putain machin. Bah ça se passe qu'on a bossé depuis très longtemps avec Nick et que tout s'est bien préparé et qu'on va faire un putain de clip quoi, qui mériterait plus qu'un clip. Il mériterait un court-métrage. C'est ça. Avec la star qui est complètement fatiguée, explosée de décalage. Sachant qu'on fera toutes les photos de presse dans ces endroits-là, comme ça on aura les bonnes photos dans les bons endroits américains. Et le clip, c'est vrai que moi je suis à la couleur verte et tout, des machins, c'est mortel. S'il y a un peu de soleil et tout, ça va défoncer le clip. C'est pour le casting. Très impressionnant. Moi j'ai une seule difficulté, c'est pour trouver des pompes à ma taille. Hein, parce que tu... Les pires statues, on a peur. Heureusement nous sommes aux États-Unis d'Estaing. Voilà. Voilà. Ça fait oreiller aussi. Ouais mec, je suis vénère quoi, je suis en Amérique, je suis vénère mec. Une bonne saucisse, une bonne morteau de 12 inches. Donc le principe du hot dog, il y avait un petit bout de pain, 5 cm de saucisse qui dépassait de chaque côté, du guacamole, du chili, des oignons. Faire attention à tes petites affaires là, parce que je pense que c'est un petit peu le quartier. Je sais pas si t'as vu ces petites séries américaines, mais en général, quand t'arrives ici, c'est là où tu te fais enlever ton enfant, ou on vole ton porte-monnaie, etc. Après, il y a David Hasselhoff qui arrive, qui court après. Eric va me proposer d'aller chier dans la mer pour faciliter ma digestion. Petit vent, il est très très frais. On va faire un petit coup de montagne là. Ah, non, je vais me chier la morteau dessus quoi. C'est pas facile hein. Non mec, je peux pas. Là je peux pas. Mec, tu vas nous dire une heure. Non mais pas du tout pareil quoi. Les gens te regardent plus du tout de la même manière. Mais même toi tu te sens différent. Ah, bah oui. Je comprends, c'est comme moi quand je mange des chips et que je me lave pas les mains après. Pour que cette journée aille mieux en fait, il me reste deux options. Soit je fais retour à la morteau, soit je m'achète un maillot de bain. Des activités hautement intellectuelles. Donc ce verre contient 6200 calories. Allez, tu sais quoi ? Regarde-le. Alors tu dis miam miam, en fait non, c'est bien des yeux. La petite soirée chez Mudrock. Bien sincère. C'est ça, c'est la bière mexicaine. Tout en beauté, etc. I'm playing with an unnamed band at this point. It's with the bass player and the drummer. Drummer David works with Mudrock a lot. That's how I came into the whole picture to begin with. And we were actually recording at the studio. Complètement déglingo. Je sens que c'est... Non mais arrêtez. C'est tellement mal. C'est des trucs auxquels t'es interdit après, c'est ça. Inglewood, tout est une question de fraternité. Inglewood. Inglewood.
bah attends, dès le départ là, ça y est. Voilà, on vient d'arriver dans une espèce de chambre d'hôtel où on va coiffer, préparer les gens, voilà. Puis après, on va faire des photos toute la journée dans le quartier qui est bien pourri. T'as l'impression là-dessus, hein, sur la coupe? Moi, le coup, je pense que ça va être terrible, ce clip, il va être terrible. Il va être tellement white trash, mais plus white trash que ça, tu peux pas. Ce qui est assez marrant, en fait, c'est que tu t'aperçois que tous les Ricains qui bossent ici, c'est quand même leur culture. En fait, ils font jamais de trucs comme ça, j'ai l'impression. Et du coup, quand tu viens ici faire un truc comme ça, ils sont tous au taquet, quoi. It goes well. First hour, first day. I slept here at the hotel last night. Somehow I was late anyway. It's hard to do. C'est moi Ed Boy en fait. Je me suis débarrassé de Dorian et c'est enfin moi qui prends le rôle de Ed Boy. Tout bien. Hein? T'as fait des photos? J'ai fait des bonnes photos, ouais. Bien dans l'ambiance. C'est les a un peu shooté tout à l'heure. C'est vraiment génial. Ah, ce qui est cool, c'est d'avoir inventé un concept, une histoire, et après de mettre des gens sur l'histoire. C'est cool. Voilà, c'est très cool. Avec des bons acteurs, comme avec cette bons acteurs. Charmante demoiselle blonde, ouais. Qui est complètement folle. Voilà. Elle est complètement folle. Elle est un peu folle. Voilà, là. Hey, t'as oublié tes dreads? Elles sont dans un sac en plastique, dans la salle de bain. Non, là il est pile dans mon axe, quoi. Hey, mec, sinon on regarde, il va pas shooter, il veut regarder en fait comme on bouge tout et okay. Est-ce que tu peux faire tout quand même? On va passer à l'aspect technique du matériel. On a un clavier et une platine, mais surtout donc j'ai une spécificité dans ma requête. Toujours demander une Vestax. Le Vestax est doté ici d'un niveau pour le volume avec un revêtement spécifique qui permet le rafraîchissement de l'image, si bien que pendant le clip tu peux toujours checker un petit peu si la coupe de cheveux est bien mise. Voilà. Si tu veux que je te dise à la caméra que je me suis levé à 6h30, que j'ai fait des photos toute la journée, que là on attaque le playback, qu'il faut que je fasse un peu de style et que ils avaient rien prévu pour enregistrer les prises. Alors considérant que je suis derrière la caméra et devant la caméra, ça n'est pas pratique. Donc là, ils cherchent une solution. Voilà. Alright, so you'll be with him, and you're gonna sit on the couch with him, and you're gonna arrive and sit here, start to make a bag like this, go up on the sofa, and you're gonna take the chariot's box, and we're gonna film in slow motion, and we're gonna be here, and you're gonna do a shower on him with the chariot, and then you're gonna be like, yeah, you're the man, and then you're all gonna go on the table and started to fight with the table. You actually can start a fight with the table. Like, you go and you're like, okay, you want to catch the table and do stuff, and then you're all gonna break it. This video will be censored. This video will be forbidden on MTV. I need you for the outside scene, so we're gonna start with this. What you can do is, during the scene where they break the table, you can come and just walk around and... His nickname is Zuy. You can call him Zuy. No, not Zuy. It's horrible, no. No, my secret boyfriend, the ref. Tous les trucs en verre, faut les pousser. Oh my god! It's hard to break. We can break the white lamp. We can break the white lamp, yeah. Okay, so
bad in your movies. It's Regarde-moi par ici, tourne la tête par ici, remets ta mèche là. Yeah man! Woo! Have you had fun while doing it? Oh yeah, yeah, it was great. Did you like it? Hell yeah. That acid drop was the bomb. That board breaking and the couch breaking, it was crazy. Turn around there, kid. Okay, let me see the faces here. Mec, c'est l'Amérique. Je suis un peu saoulé là de partir. No, the one I have at home.